Au début, à première vue, il me faisait pas plus envie que ça. Mais après l'avoir croisé, eh bien, je me suis dit, il y a un petit quelque chose quand même. Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va aller faire une petite session gameplay sur le Franky Onigashima avec son skin, son nouveau skin. Et c'est pas tant pour le skin de Franky en lui-même, parce que je suis pas fan en vrai. Mais c'est pour la moto. La moto est tellement plus stylée, je kiffe. On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti, je te laisse profiter de ça. Avant de passer au gameplay, on va aller check un petit peu les deux autres skins qui sont potables. Il y en a un qui est potable et l'autre est pas top. Petit rappel pour ceux voilà, qui connaissent pas, si tu mets à peu près 8 balles dans le pass saison. Donc voilà, c'est un petit peu comme les pass événements, sauf que là c'est pour la saison. Faut que tu passes 200 000 points de score, donc ça c'est assez facile franchement. Enfin, il n'y a pas besoin d'un gros temps de jeu. Et tu vas récupérer pas mal de petites médailles là, comme ça avec les petites épées. Et en fait ça va te permettre d'accéder à un troc. Et ce troc va te permettre de débloquer les skins. Donc tu peux les récupérer gratuitement. T'as pas besoin forcément d'acheter, c'est pour que ce soit plus rapide. C'est pour que ce soit plus rapide, mais si tu fais des économies, les 500, tu peux les avoir très facilement, sans forcer, même sans jouer énormément au jeu. Après là où ça va être surtout intéressant, ce troc, tu peux débloquer des skins, mais aussi des fragments de personnages. Alors je te déconseille de mettre les 80 là par exemple pour débloquer seulement 15 fragments, 5 fragments, là c'est vraiment nul, ça vaut pas le coup du tout. Là où ça vaut le coup en fait c'est pour les persos soutien et les plus anciens. Par exemple les moins anciens on peut voir que tu peux les récupérer que 2 fois pour 60, les plus anciens tu peux les récupérer 5 fois pour 40. Et donc du coup en fait ça vaut grave le coup et là tous ces personnages sont importants pour les teams soutien. Donc justement pour les teams rouges, pour les teams bleus, pour les teams verts, enfin si jamais on va dire t'as envie de mettre un petit peu d'argent, pour ça, ça peut valoir le coup. Pareil, pour farmer tous les petits 3 étoiles et 2 étoiles, ça peut aller super vite. Et sinon, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le skin. Alors, on va voir le premier, le Flopesque, celui qui ressemble à rien. Donc, là, tu as le Brook, ça, c'est celui de base. Et voilà à quoi ressemble la nouvelle version. Donc, franchement, ils ont pas fait d'effort. Même le changement de couleur est... Genre, ils ont pas... Attends, il est juste tout... Il est passé de... Attends. Oh. Il est passé de... De noir et blanc à blanc et gris, c'est ça, si je comprends bien. C'est ça. Et ils ont changé la couleur de son écharpe, là, elle est passée bleue. Limite, je préfère en rouge. Non, franchement, celui-là, il pue. Qui va aller prendre ça? Peut-être des fans de Brook. Ah, on va pas juger, pourquoi pas. Robin, c'est déjà un petit peu mieux. Je trouve qu'il y a un petit délire, c'est sympa. Le skin de base, il est en mode pareil, c'est avec des fleurs, mais en mode bleu. Les deux sont bien, les deux sont bien. Mais au moins, ça rajoute un petit truc et... On va dire l'avantage c'est bien pour ceux qui vont poncer les personnages. Ceux qui vont poncer les personnages quand tu joues tout le temps le même perso, avoir un skin, si tu peux changer et alterner, franchement ça peut être un bon délire, permettre que ce soit un petit peu moins redondant si on peut dire. Et on va voir le Franky. Le Franky, bon. En soi, ça me. Je me disais au début, à première vue, je suis pas 100% fan. Après, plus le temps passe, plus je commence à apprécier. En soi, ça va, les couleurs correspondent bien au Franky. Je trouve que ça lui va grave bien. C'est un bon délire. Après, j'aurais peut-être... aimé un bleu un petit peu plus foncé. Mais en vrai, de vrai, c'est vraiment les couleurs de Franky. Hein. On est vraiment dans le thème. On est vraiment bien. Et c'est surtout la moto. On va voir, la moto est exceptionnelle. Surtout, d'ailleurs, j'ai un petit bug. Une fusion qu'il y a eu, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Dommage qu'on peut pas faire ça en jeu. Mais on va aller voir maintenant, passer sur les gameplays. Allez, on est parti. On va commencer par voir un petit peu la team soutien. Donc compte secondaire, elle commence à être un petit peu bien, 164%, j'ai gratté quelques pourcents, justement j'ai commencé à l'over un petit peu. Et au niveau du set de pièces, comme tu peux voir, j'ai droppé Dofi, j'ai opti ça, il y a 1600 def, 4000 PV, on va jouer vraiment axé de pure résistance. Même si on va voir que de temps en temps, en vrai, peut-être que je devrais remettre un petit brin d'attaque. Parce que je suis étonné, en fait les dégâts du dash de Franky, celui-là, la fameuse moto. Franchement, après c'est peut-être une question de goût, mais perso je kiffe, c'est une régalade. En plus... Justement, quand j'en aurai marre de celui-là, je vais repasser sur l'autre, je vais kiffer encore plus l'autre, tu vois. Et pareil, inversement. Donc franchement, c'est un bon délire, ça. Après, j'aimerais bien en avoir encore plus à terme, qui se bouge un peu le cul et qui nous les mettent un peu moins cher, ça serait une bonne chose.
Mais bon, on verra la VR, en tout cas voilà. Et là, en plus, on peut la spammer, sachant qu'on n'a pas un set accès réduc 1, on a un set accès capture, donc du coup, on va avoir un spam un petit peu moins régulier d'Amoto, mais je pense que ça peut se tenter en réduc 1, justement, il y a un set super intéressant en pure capture pour ça, enfin en pure réduc 1. Là, je sais pas trop pourquoi on s'était bonbon là-dessus. Alors, il a dû peut-être balancer une 2. En même temps, au même moment où je le projette, bon, ça va, on a quand même le temps de cap. Derrière, je prends un risque, on cap. Heureusement, il. Bah, c'était pas la 2, alors c'était la 1. Je sais même pas pourquoi. Et puis les bugs là. Normalement, je suis loin, je me fais toucher par ça. Tout à l'heure, et je le protégeais être là-bas, il revient là-bas. Je vous jure, les gars, j'en peux plus des bugs. J'ai hâte d'avoir la fibre. Ou alors, je sais pas, j'ai fait une grosse mise à jour la LD récemment. Je me demande peut-être si ça a pas foutu la merde. Des fois les mises à jour souvent c'est pas toujours bénéfique sur le bon sur le court terme. On va faire gaffe au Kaminari et après derrière le Bajrang lui nous emmerde un petit peu moins. Les Luffy G5 sont dangereux vraiment juste pour le Kaminari. S'il n'y a pas de Kaminari, il n'y a pas de malus en fait, tu vas te mettre trop bien. Et franchement la petite esquive parfaite, bah, c'est un peu comme Ray. C'est un petit peu comme Ray, bon elle se reset pas mais il y a ce même aspect, je te projette, derrière je vais pouvoir capturer facilement, sachant qu'en plus lui, une fois qu'il est sur la capture, il est encore plus dangereux. Et cette mobilité, en vrai, même sans le set réduit 1, comme on peut le voir, enfin elle est déjà là extrêmement régulièrement le dash. Et là je l'ai pas trop exploité. On verra sur la prochaine game, mais il y a pas mal de choses à faire. Même, enfin justement là, je trouve que c'est la meilleure map tranquille, clairement. Là justement j'ai profité que Impel Down soit là, c'était un plaisir franchement. Et le fait que ce soit une map avec beaucoup de pentes, beaucoup de décors, beaucoup de d'escaliers, bah ça lui permet d'exploiter énormément sa mobilité. En plus, pareil, les attaquants sont obligés de descendre, de monter, enfin bref, ça leur fait perdre énormément de temps et toi, tu peux leur mettre la pression comme jamais. Bon, le petit Zoro qui décide de, un petit peu tard de se réveiller sur nous, et malheureusement, bah, un peu trop tard, hein. Une fois que Franky est sur la cape, si t'as pas de malus, en fait, t'auras rien pour le gérer, hein. Et c'est ça le problème. Après derrière voilà, petite cape, on va pas s'embrouiller à se battre avec le Zoro, il a claqué son Ashura, c'est dommage que l'allié vient pas défendre. Et derrière on va aller remettre directement la pression au Taimi. Et ça met très très bien. Bon, heureusement le Perros veut pas nous. Là ça va, hein. Il se focus pas trop sur nous, mais laissez pas en roue libre. Franky, il va falloir le focus un minimum parce que la mobilité. Et là comme je t'ai dit, en gros, ouais, on va tenter. Ouais. Au début je voulais aller projeter sur le Perros, je me suis fail, du coup on est allé là-bas, on va en profiter pour dev sur le Luffy. En fait c'est que ça partait dans tous les sens. Et moi mon plan c'était de traverser la map, aller sur B, voler la fin de game. Bon c'est pas trop grave, ça s'est pas passé comme ça, on s'est arrangé différemment. Mais en tant que fonceur pur justement, pour en revenir à ce que je disais dans une des précédentes vidéos, pourquoi je le préfère ce dash à, par exemple à la TP d'un Ramaki ou bien d'un Kaido. Parce que justement cette polyvalence, les ennemis peuvent trop, enfin... c'est compliqué de vraiment anticiper où va aller le Franky parce qu'il peut vraiment aller partout. Il n'y a vraiment aucun endroit où il peut pas aller grâce à ses deux compétences. Il a juste à, voilà, à être patient, attendre les ouvertures. Faut bien regarder sur la minimap où vont les ennemis, où vont tes alliés. Bon, j'ai cassé un petit peu le mur ici, on arrive un brin en retard. Mais ça va. Pareil, encore une fois, le Roger qui cherche pas à nous mettre la pression. Il va aller se taper là-bas avec Sanji et Shanks. Pourquoi pas, hein, vas-y, hein, pas de problème. Bon, après, dommage, pour le coup, c'est moi, je me retrouve un petit peu en PLS, mais pareil. Une fois que ta compétence, elle est de retour, voilà, tu vas pouvoir fuir facilement, caler une petite projection éventuellement, prendre quelques petits dégâts, peut-être faire sauter des stacks de def. Ça peut être intéressant aussi. Bon, là, justement, on a un petit G5. Ouais, c'est le genre de match-up où on peut défendre tant qu'on a des compétences. En plus, justement, celle-ci, quand tu l'as utilisée... Là, la deuxième, tu vas pouvoir l'utiliser et tu vas récupérer quasiment instantanément l'autre. Bon, là, on aura limite. Ouais, c'est dommage que le Sanji se fait éclater. Mais au moins, il nous aura pas mal aidé. Et derrière, la petite doublette est magistrale. Elle régale. Le chance qui est venu placer un coup d'esto et nous, on a terminé V2. Ça, c'est un plaisir. Et derrière, bah, justement, on va pouvoir continuer notre petite pression. Niveau resto des PV, on se met vraiment très bien. Niveau resto des PV, bah, sur les caps. Et puis bah le fait qu'on puisse capturer autant en fait avec lui et avoir autant de mobilité, ça joue beaucoup. Uta, bon voilà, là elle aurait pas dû balancer son bel canto, derrière elle va se prendre une petite esquive parfaite, on va se replacer. Même si en vrai j'aurais pu continuer à contester Uta, mais en fait je voulais prendre l'info, je voyais qu'il y avait l'allié. Bon bah voilà, il y a Shanks, Mama elle fait une grosse erreur, elle sort d'Uta, elle nous laisse capturer. Bon bah c'est bonjour, hein, ne pas sous-estimer le Franky et on va repartir directement. Voilà, je calque quelques petites projections, je prends quelques petits dégâts et on va repartir voilà, directement sur la cape. Même si de temps en temps je pourrais être un petit peu plus axé pure cap. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir un peu trop sur la route taper un peu du monde. Mais des fois ça serait plus important de vraiment se focus sur là où tu dois aller. Du coup on s'est fait découper, hein.
Malheureusement, l'enchaînement de malus, t'as beau avoir beaucoup de résistance, tu peux pas résister à tout et n'importe quoi non plus, va falloir quand même faire attention. Et du coup, ouais, là, mon plan, encore une fois, voilà, c'est d'utiliser le dash pour aller de l'autre côté. Je vois ce que fait la Uta. Je me dis, bon, on va essayer de la bait un petit peu. Je lui dis, viens, viens sur A, descends sur A, s'il te plaît. Non, bon, après, j'aurais pas dû remonter. Hein. Bon, finalement, elle se casse. C'est parfait. Et du coup, voilà, on va pouvoir taper notre petit dash. Elle a fait ce qu'il fallait pas faire. Et justement, le taille, j'ai l'info qu'il est pas restauré parce qu'elle vient de le capturer. Donc, j'aurais aucune difficulté à le cap. Après, derrière, petit Zoro. Là, encore une fois, tu vois, j'ai fait un petit détour de trop. Surtout s'il avait relâché un choix instant, j'aurais été dans la sauce. Bon, derrière, ça va pas trop nous faire chier dans la mesure où on va quand même pouvoir se rediriger sur le tas et capturer. Les autres derrière, ils sont au mid. Uta, bon, malheureusement, elle arrive un petit peu trop tard. Et là, on va pouvoir. Ouais, franchement, c'est honteux à quel point la moto, elle est là tout le temps. C'est tellement un régal, ce perso. Puis là, c'est comme je t'ai dit, les maps comme Thriller Bark, Wano. Du coup, Impel Down maintenant, enfin toutes les maps avec pas mal de décors, c'est des maps qui sont vraiment, c'est une régalade pour tanker. Après toutes les maps où il y a un peu moins de décors, tu peux te faire choper par pas mal de compétences, c'est un petit peu plus compliqué. Et on va enchaîner justement, voilà, sur ce genre de map. En plus d'ailleurs, là en plus, on a deux petites games, ça va sympa. La dernière c'est des barres de rire, on a une team full Moogie les gars, full Moogie troll. Et là en face on a, bon, il n'y a pas de SBF, mais il y a du Kyalgara, il y a du Cracker. Donc faut se méfier un petit peu, justement, c'est un petit peu les prédateurs de Franky pour le coup. On va pouvoir capturer tranquille, Kaido qui cherche pas à nous mettre la pression, on attend un petit peu les alliés. Bon, la petite esquive tranquille, là il n'y a pas trop de risque à prendre. Alors j'ai pas eu le réflexe, mais j'aurais dû claquer le dash, celle qui va, qui est celle-là, voilà justement. Bon après derrière elle va servir pour la défense, donc au final j'ai pas mal fait de la claquer, parce que si je l'avais claqué du coup on aurait pas pu défendre le Tao, au moins le qui arrive, il va nous faire le ménage là-dedans. ça met bien. Ça m'est bien, et c'est pour ça, voilà, c'est tout bête, hein, mais je vois énormément de consoeurs, tu vois, dès qu'il cap, il se casse instant. Sauf que t'as eu, là, voilà, on est resté quelques secondes, on a temporisé un petit peu, mieux qu'on pouvait, et au moins, voilà, ça a permis au G5 de venir défendre dans la foulée. Après, derrière, on fait attention à notre minimap, on va aller cueillir le Kaido, c'est dommage, j'ai loupé le boost de PV, non, je le prends, oui, voilà, nickel. Ah bah oui, mais c'est vrai, je suis con, j'ai anti-resto. j'espérais que, en fait, j'avais un doute. Si j'envoie la compétence 1, comme t'as anti-malus dessus, je me demandais si ça supprime aussi les malus en cours, mais non, du coup. Bon, les caisses qui nous font un peu chier, je voulais pas me mettre sur la trajectoire au milieu du tas de trésors, parce que si jamais il y avait un ennemi qui se mettait sur la route, bah en fait j'allais taper l'ennemi. Bon, ça aurait pu, on va dire, être efficace, mais s'il y avait une compétence qui partait, bon bah là j'aurais pris tarif. Bon, au moins, ça va, ils m'ont pas emmerdé, on a pu se rediriger sur le tas de trésors. Et après, derrière, hein, pour énormément de défenseurs, le Franky, c'est un cauchemar. Hein. C'est un cauchemar. La Garp, il veut même pas me courir après. Parce qu'il sait que, de toute façon, il a pas les outils, il a pas de malus, donc ça sert à rien. Et là, on a qu'à attendre, tranquillou. Voilà, et puis vraiment, niveau mobilité pure, je crois que c'est vraiment le meilleur fonceur. Hein. Il y a même Roger, qui est très très rapide, bah il a pas deux compétences, en fait. Il a pas deux compétences à mobilité extrême. Et lui, il a deux compétences à mobilité extrême. Il a une bonne résistance sur la capture. Autant au début j'avais beaucoup de mal avec ce perso, mais je commence à prendre de plus en plus de plaisir avec et vraiment l'apprécier de plus en plus, parce que enfin on sent que après c'est un perso un peu particulier, faut vraiment, c'est un perso d'opportuniste, mais si tu choisis bien tes opportunités et que t'as les bons spots de cap et compagnie, bah, tu te mets très très bien, hein. Là voilà, parfait. On a pu éjecter le petit cracker, capturer tranquillement. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire attention. Voilà, il jette sur son soldat et on va enchaîner la 2. Mais mine de rien, aussi, les dégâts sont pas mal. Hein. Et encore une fois, les foutus bugs. Putain, mais qu'est-ce qu'on se fait toucher par ça? Je viens de taper mon esquive parfaite. Me fais pas chier, bordel. Moi, bon, j'ai claqué un petit peu tôt la compétence, mais c'est histoire de pas prendre de risques. Si jamais, voilà, il claque l'esquive, on a juste à faire un petit détour, le projeter, comme ça on gagne du temps et on va chercher la prochaine capture. Bon, là, voilà. Malheureusement, je suis pas suffisamment réactif sur l'esquive, je me doutais qu'elle allait être déjà de retour, j'étais pas 100% sûr. Bon, ça va pas nous coûter trop cher, derrière on a réussi à l'enchaîner, récupérer super boost et puis capturer en plus le petit tas de trésors. On va se permettre la petite défense, emmerder le Garp jusqu'au bout et arracher notre petite game à cette pièce, quoi. Franchement, c'est un régal. Et encore une fois, on a fait quoi, hein, 6-7 captures, un truc comme ça, niveau pure pression. Peu importe les maps, ils rivalisent pas mal avec Roger, hein, honnêtement. Bon, pas niveau dégâts, ça c'est clair, mais niveau pure mobilité et niveau pression d'état, c'est une histoire. Et là, la petite game troll, bon, il y avait au moins Zoro Nigashima, mais Burnman et Brook, vraiment là? C'est le 2 étoiles, c'est le 3 étoiles ça? Oui, c'est le 3 étoiles ou 2 étoiles, je sais même plus. On va tenter, hein, on va tenter. Hein. En plus,
Vas-y, rien que pour le kiff. Ah oui, ils sont pas tout à fait raccord. C'est dommage, c'est dommage. Il y a juste le G5 qui fait un petit peu tâche, mais on aurait pu avoir un truc un peu ancien air versus nouvel air. Là, on va essayer. Bon, le Zoro qui va se faire cueillir, et nous aussi. Bon, j'ai tenté l'esquive, je sais pas trop ce qui s'est passé, si j'ai manqué de réactivité ou pas, mais on s'est fait dégommer. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, c'est pas grave, on se fait souiller, mais j'ai Franky, les gars. Franky peut retourner des games, il n'y a pas de problème. Du coup, on va aller taper notre petit sprint, essayer d'emmerder un peu le G5. On voit est-ce qu'il joue un peu correctement. Bon, il joue un peu correctement, on va aller le bait un peu, voilà, hop, parfait. On fait attention, là je reste bien attentif, c'est au niveau de Louis. S'il y a un petit Kaminari qui part, le temps que je me redirige ma cam, parce qu'en fait c'est vraiment ce qui nous emmerde. Hein. Si Luffy balance son Kaminari, il a vraiment rien pour nous gérer. Et là, bon, bah voilà, à partir de là, hop, on va pouvoir récupérer et sauver la petite game, enfin, pour l'instant, temporairement du moins. Donc attention, voir ce qu'il fait un petit peu, j'essaye de tempo. On va gratter une première petite projection sur Luffy, une petite esquive parfaite sur le Blanchounet. Et pareil, là je peux pas trop faire grand chose. Hein. Enfin, si je veux partir, mais pas trop tôt, parce qu'en fait, il faut que je gagne du temps au maximum. Sinon, ils vont capturer trop vite, me faire chier. Là, c'est parfait. J'arrive à gratter les deux, on a pris pas mal de dégâts sur le Blanchounet. Ah, là, j'étais en mode concentration, je me suis dit, putain, celle-là, on peut l'arracher. Encore une fois, les bugs, frère, je viens de te projeter, qu'est-ce que tu viens déjà faire là, mais tu une compétence. Heureusement, je suis tranquille, je mange pas trop tarif. Hein. On va l'enchaîner encore avec une petite esquive. Ah, dommage, il a pas pris son petit coup de roue, mais c'est pas grave. Blanchounet, il l'a pris, on l'a achevé. 4000, 4008, 4008. Y a peut-être moyen que je rajoute un petit peu d'attaque. Hein. Parce que là, il y a un monde avec un petit 300 d'attaque. Peut-être on l'aurait terminé, le Luffy. Hein. Et puis, il est patient, il veut pas trop se jeter. Bon, sauf sur le Kaminari, sur la fin, il a pu tenter. Il a pas compris que c'était mort. Fallait pas. Fallait pas. Et direct, bim, on va continuer la pression. Bon, je sais qu'il y a un Kamusari qui va débarquer. Non, il veut pas. Il veut me tenter après cap. Il veut me tenter après cap, mais il est... Non, ça ne passera pas. Là, je donne tout. Je me dis, il y a de l'espoir. On l'a baladé un petit peu. Allez, je vois boost d'équipe. Mes mates, ils se font un peu laver. Je vois qu'il y a un Roger. Je dis, l'espoir est permis. Bon, là, je peux pas faire grand-chose. J'essaye de... Ouais, voilà. Heureusement, le Shanks reste trop en retrait, mais je sais qu'il veut me cueillir avec son boost d'équipe. Là, c'est parfait. Il n'y a plus de boost. On arrive à défendre tout juste in extremis. Je commence à avoir de l'espoir. Hein. 24 secondes, 4-1. Mais malheureusement, j'ai pas assuré sur mes dernières esquives. Là, j'aurais assuré sur la fin du match-up. Et juste, putain, ce foutu Shanks. Putain, j'avais encore un peu d'espoir. Hein. Là, j'avais encore un peu d'espoir. Il y a Blanchounet, il y a tout. Oh, c'est dommage. Et on se fait découper par Oden. J'y ai cru, hein. J'y ai cru. Mais non, malheureusement, la team Nouvelle Ère ne gagnera pas cette game. Mais on prendra notre revanche. Avec des persos plus calibrés, des moogies plus calibrés, peut-être. Éviter de un bon man à 2 étoiles. En tout cas, c'était une game sympa. J'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez de ce Franky. Lâchez le petit pouce bleu, le commentaire de la force. Puis je vous dis à très vite, la piraterie.